Vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Et alors, Holmes ? Et alors, Holmes ? Je ne peux pas partir maintenant. Vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Il me manque des informations. Fermé. Une bouteille de whisky cassée. Pourtant, l'évêque de Knightsbridge était connu pour sa sobriété. Il semble que les brutes qui ont torturé à mort l'évêque se soient sévèrement enivrés. Et alors, Holmes ? Impossible de passer.
Qu'en pensez-vous, Holmes? Cette tige de métal sert de fermoir au silice. C'est un silice destiné à meurtrir celui qui le porte. L'évêque se mortifiait et faisait pénitence. Un fouet? Non, une discipline servant à s'autoflageller. Cet homme de grande piété devait avoir l'habitude de mortifier sa chair comme moyen de pénitence. Impossible de l'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. Parfait. Il est évident que les assassins de l'évêque de Knightsbridge étaient à la recherche de quelque chose de précis et qu'ils ne l'ont pas obtenu. Révérend, je vous le demande une nouvelle fois. Ouvrez ce coffre. Ce qu'ils cherchaient est à l'intérieur et ils ne l'ont pas eu. Il est peu probable qu'ils s'en tiennent à cet échec. Ils reviendront certainement pour terminer leur tâche. Et moi, je vous le dis à nouveau. Ce coffre est fermé et il le restera. Très bien, nous sommes donc dans une impasse. Vous êtes un homme obstiné, Révérend. Watson, accompagnez notre ami jusqu'au poste de police et revenez avec l'inspecteur Baines. Baines et personne d'autre. Je vous attends ici. Allez. Me voilà seul. Je vais pouvoir continuer mon enquête. Cette serrure devrait être facile à crocheter, voyons. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer.
ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Cette serrure devrait être facile à crocheter, voyons. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Et voilà, un jeu d'enfant. Il
n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Elle doit servir de salon de lecture ou de méditation. Cet encrier a été renversé il y a peu de temps. Une tache d'encre. Une trace d'encre, assez fraîche. Cette tache se trouve juste au bord du tapis. Voyons, il n'y a rien sur le sol. Pourtant, l'encre aurait dû traverser le tapis. La tache d'encre sur le sol vient de celles faites sur le tapis, mais elles ne sont pas au même endroit. Quelqu'un a déplacé le tapis récemment. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées, à la manière d'un damier. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées, à la manière d'un damier. J'ai besoin de quelque chose. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées, à la manière d'un damier. J'ai besoin de quelque chose. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. J'ai besoin de quelque chose. Cet encrier a été renversé il y a peu de temps. La tache d'encre sur le sol vient de celles faites sur le tapis, mais elles ne sont pas au même endroit. Quelqu'un a déplacé le tapis récemment. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées, à la manière d'un damier. J'ai besoin de quelque chose. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées, à la manière d'un damier. J'ai besoin de quelque chose. Apparemment, quelqu'un a voulu cacher cette statue. Ce cheval ressemble à une grosse pièce de jeu d'échecs. Il y a un message sous cette statue. Voyons. Ce message a été écrit par une femme.
Mais à qui est-il destiné? Intéressant cette histoire de jeu d'échecs. Cette dernière pierre doit être la bonne, il faut la déceler. Un paquet de lettres adressées au révérend. Elles sont écrites par une femme qui lui parle de ses enfants naturels. Cette liaison n'est donc pas officielle. Parfait. À nous deux, révérend Volage. Ah, Watson, vous avez été désespérément long. L'inspecteur Baines ne vous accompagne pas. Non, Holmes, il est introuvable. Le docteur Watson m'a empêché de contacter un autre inspecteur que ce Baines. Quelle manière! Je suis un homme d'église! Cher révérend, j'ai pu constater que vous êtes un amateur d'échecs. Vous m'excuserez, mais je n'ai pu résister à l'attrait d'une partie laissée en suspens. Vous êtes un expert des échecs. Très bien, c'est noté. Que voulez-vous maintenant? Comme vous vous en doutez, résoudre votre petit problème d'échec m'a permis de découvrir des lettres des plus intéressantes. Des lettres? Que contiennent-elles, Holmes? Révérend, pourquoi dissimuler ces lettres ici et prendre le risque que l'évêque Maitland ne les découvre? Holmes, que contiennent ces lettres? Pas maintenant, Watson. Où aurais-je pu les cacher? Pas dans ma chambre. Il n'existe rien de plus austère. Je savais en revanche que son Excellence, paix à son âme, ne remarquerait pas mon jeu. Le contenu du coffre de l'évêque de Knightsbridge m'intéresse au plus haut point. Remettez-moi les éléments que vous détenez, révérend. Hors de question. Vous rendez-vous compte que vous êtes le principal suspect de cet horrible meurtre? Quoi? C'est ridicule! Réfléchissez. À qui profite le crime? Pas à moi! Bien sûr que si. L'évêque de Knightsbridge n'étant plus, vous voilà administrateur apostolique du diocèse, n'est-ce pas? Oui, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire, mais... Un poste qui, en toute logique, devrait vous revenir.
La police ne manquera pas de le noter. Ils ne vous croiront jamais. Bien sûr que si. Ne suis-je pas Sherlock Holmes ? Vous êtes odieux. Voilà les tiges que vous cherchez. Vous avez gagné. Évidemment, comme toujours. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers jours de l'évêque de Knightsbridge ? A-t-il été visité ? Était-il soucieux, angoissé ? N'oubliez aucun détail. Son neveu est venu hier matin à la demande de son Excellence. Cette visite m'a paru singulière, car le jeune homme ne voit que très rarement son oncle. Savez-vous pourquoi ? Était-il en mauvais terme ? Je ne pense pas. C'est plutôt une conséquence de son métier. Le jeune homme occupe un poste aux archives de la Bibliothèque Royale, ce qui ne lui laisse que très peu de temps libre. Avez-vous connaissance du motif de cette convocation ? Non, mais leur discussion fut des plus vives. Elle ne dura que quelques minutes et se conclut par la colère terrible de son neveu. Intéressant. J'ai répondu à vos questions. Me laisserez-vous enfin contacter les autorités maintenant ? Je crains que non, révérend. Pas encore. Bien, maintenant nous pouvons ouvrir le coffre-fort. Maintenant, je peux ouvrir le coffre. Nous y sommes. Il me tarde de découvrir quel singulier trésor peut motiver une telle débauche de barbarie. Extraordinaire ! Ce coffre est inviolable. Comment est-ce possible ? Personne d'autre que l'évêque ne devait être en mesure de l'ouvrir. Vous avez ouvert ce coffre avec une facilité déconcertante, Holmes. J'en ai assez vu et entendu. Cette fois, vous ne me retiendrez pas. Rattrapez-le, Watson. Mais pourquoi ?
Watson, courez, dépêchez-vous. Il s'est enfui. J'espère que vos motivations sont fondées, Holmes. Je n'aime guère agir aux frontières de la loi. C'est ennuyeux. Partons sans plus attendre. Qu'avez-vous trouvé dans ce coffre, Holmes ? Qu'existe-t-il de si précieux pour que des hommes en arrivent à commettre des actes si odieux ? Le révérend disait la vérité. Rien d'important n'était enfermé dans ce coffre, hormis quelques objets de culte bien peu dignes d'un vol. Nous ne sommes donc pas plus avancés. Peut-être que la police nous sera... Quand la police arrivera, nous serons loin d'ici, Watson. Nous partons. Et alors, Holmes ? Rentrons à Baker Street au plus vite. Nous avons traversé Londres à toute allure, nous aurions pu renverser quelqu'un. Et comme de bien entendu, j'ai dû payer le cocher de ma poche. Cessez de vous plaindre, voulez-vous ? Nous devons analyser les indices trouvés chez l'évêque. J'ai besoin de quelque chose. Non, inutile. Ici, je peux analyser la composition chimique d'une substance liquide. Je dois analyser ces indices.
du poison, et apparemment extrêmement actif. Du poison. Un allié discret, efficace et difficilement détectable sans une autopsie minutieuse. Avez-vous pu isoler les composants actifs, Holmes ? Pas avec certitude. Cette substance toxique dépasse largement mes connaissances en ce domaine. C'est à n'en point douter le travail d'un chimiste expert. Chimiste et criminel ? Comme vous dites. Essayez de retrouver ma monographie sur les empoisonneurs des 30 dernières années. Médecin généraliste. Ça ne va pas m'être utile. Hôpitaux et dispensaires de Londres. Anatomie féminine. Je devrais mettre ce livre ailleurs. Plus tard, Watson, plus tard. D'après ces documents, Hans Schillmann, dit le dératiseur, serait considéré comme le plus grand spécialiste du poison chimique au monde. Est-il libre ? Heureusement, non. Il est retenu depuis des années dans le quartier de haute sécurité de la prison de Westgate, ici même à Londres. Il ne peut donc être à l'origine de cette mixture mortelle. Pas de conclusion hâtive. D'après Scotland Yard, cet homme est exceptionnellement intelligent. Pour les plus grands criminels, la prison n'est pas une entrave à leurs méfaits, mais un obstacle, tout au plus. Prévoyons une petite visite à ce monsieur Schillmann dans notre emploi du temps. Nous devons analyser tous nos indices, Watson. Il y a quelque chose d'écrit sur ce scalpel. Je devrais le nettoyer.
Je ne peux pas faire ça. Ah, je peux lire WCCH. Qu'est-ce que ça signifie? Combien y a-t-il d'hôpitaux dans le quartier de Whitechapel, Dr. Watson? Si on compte les dispensaires, assez pour nous occuper pendant un mois entier. Ce scalpel viendrait d'un établissement hospitalier? Oui, comme l'indiquent les initiales WCCH gravées dessus. Nous allons devoir faire preuve de perspicacité. Nous n'avons pas le temps d'enquêter dans chaque hôpital de Whitechapel. J'ai coupé un petit morceau de corde, cela suffira. De nombreux éclats de pierre noire. De la terre noire et humide. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas faire ça. 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 J'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas faire ça. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. Je ne peux pas faire ça. Cet éclat de pierre est extrêmement lisse et il semble d'étrange facture. Il faudrait le décaper avec l'un de mes produits. Cette pierre semble de même facture que celle trouvée dans les fibres de la corde. Je distingue quelque chose. Cette pierre est du granit recouvert de peinture noire. Les éclats de granit noir trouvés dans la corde et cet éclat de granit viennent du même endroit. Je ne peux pas faire ça. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Je ne peux pas faire ça. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine.
Je ne peux pas faire ça. Reste de peau, os de la phalange. Ce doigt n'a pas été coupé, mais arraché. Reste de peau, os de la phalange. Ce doigt n'a pas été coupé, mais arraché. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Reste de peau, os de la... Je distingue quelque chose. De la terre noire et humide sous l'ongle. Intéressant. Je distingue quelque chose. Je dois comparer les échantillons de terre que j'ai trouvés. Des traces de morsures sur ce doigt arraché. J'ai peur de comprendre. Les bandits n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et devant le manque de coopération de l'évêque, l'un d'eux le désigne du doigt comme principal responsable de la débâcle. Et le pauvre homme, dont seule la tête n'est pas entravée de cordes, lui mord violemment le doigt et le lui arrache en faisant preuve d'une sauvagerie peu commune. Watson, j'ai la conviction que lorsque nous aurons expliqué les causes et les raisons de cette soudaine bestialité, nous aurons levé le voile sur une grande partie de ce mystère. Je dois comparer les échantillons de terre que j'ai trouvés. Et si je mélangeais cette terre avec une autre substance? Je ne peux pas faire ça. Maintenant, il faudrait remuer le tout. Je ne peux pas faire ça. Les échantillons de terre prélevés sous l'ongle du doigt et sur la corde proviennent du même endroit. Qu'en savez-vous ? Il n'a fallu que très peu d'eau pour en analyser la consistance. La terre a conservé son humidité, bien qu'il n'ait pas plu sur Londres depuis plus d'une semaine. Cette terre pourrait provenir des berges d'un cours d'eau, ou d'un endroit où l'évaporation est plus lente, comme dans une mine, ou une tranchée. Les berges de la Tamise sont argileuses, contrairement à nos échantillons. Nous pouvons donc exclure cette piste. Quant aux mines les plus proches, elles se trouvent à des dizaines de miles. J'exclus donc également cette piste. J'opterai donc pour votre troisième hypothèse. Une tranchée ? Une fosse. Watson, apportez-nous votre registre des hôpitaux londoniens. L'étude du scalpel et des indices vous a permis d'envisager une piste. En effet. Je vais le chercher.